Dans les cours de chimie, on est souvent confronté à des ions polyatomiques qu'on voit très régulièrement et qu'il est donc très important de connaître et de connaître notamment leur nom. On a un cation en particulier qui est NH4+, qui est le cation ammonium, et sinon on a majoritairement beaucoup d'anions à connaître. On commence par le premier qui est l'anion acétate, CH3CO-, qui est la base conjuguée de l'acide acétique. On a ensuite l'anion cyanure, CN-. Un anion très très commun évidemment, c'est l'anion hydroxyde, qu'on retrouve dans la soude ou à chaque fois qu'on va parler de l'autoprotolyse de l'eau, etc. Donc c'est un anion très important à connaître, hydroxyde. On a le permanganate, MnO4-, donc un oxyde de manganèse, donc le permanganate. Et on a la famille très importante des nitrates et des nitrites. Donc la différence entre le nitrate et le nitrite, l'anion nitrate et l'anion nitrite, ils ont tous les deux une charge négative, mais le nitrate a 3 oxygènes et le nitrite 2 oxygènes. Donc déjà, en termes de suffixe, on voit que entre at et it, quand on a le suffixe it, on a moins d'oxygène que dans le suffixe at. Et ça, c'est une règle qu'on va retrouver, on va voir dans les exemples qui suivent. Donc je vais descendre pour faire apparaître la suite de la série, avec notamment ici tous ces anions qui comportent un atome de chlore. Donc on a ClO4-, qui est le perchlorate. Donc on a ici le préfixe per et le suffixe at. Le chlorate, avec ClO3-. Donc la différence entre le perchlorate et le chlorate, c'est qu'on a un oxygène de plus dans le perchlorate. Donc lorsqu'on a le préfixe per, ça signifie qu'on a encore plus d'oxygène. Donc le perchlorate a un oxygène de plus que le chlorate, qui a un oxygène de plus que le chlorite, qui est ClO2-. Et l'anion hypochlorite, il a encore un oxygène de moins. Donc avec le préfixe hypo et le suffixe it, on a encore moins d'oxygène. Donc l'hypochlorite a moins d'oxygène que le chlorite, qui lui-même a moins d'oxygène que l'anion chlorate, qui lui-même a moins d'oxygène que l'anion perchlorate. Donc ça, ce sont des petites astuces de vocabulaire à retenir qui nous permettent, lorsqu'on entend parler de deux anions, de savoir tout de suite lequel va avoir le plus d'oxygène ou le moins d'oxygène. Surtout lorsqu'il s'agit d'anions de la même famille, comme ici, ce sont tous des dérivés oxygénés du chlore, de ClO-, ClO2-, ClO3-, ClO4-. On va voir que c'est toujours les mêmes règles qui s'appliquent pour la suite des exemples. Ici, on a les anions qui comportent un atome de soufre. Ici, on a le sulfate, SO4-2-, l'anion sulfate, qui est un anion très important puisqu'on va le retrouver lorsqu'on va utiliser de l'acide sulfurique. L'anion sulfite SO3-2-, donc a un suffixe it, donc par rapport au sulfate, il a un oxygène de moins. On a ensuite les versions hydrogénées du sulfate, l'hydrogénosulfate, avec un hydrogène ici, HSO4-. Donc en fait, c'est comme si on avait fait H plus plus SO4-2-, et là on obtient l'hydrogénosulfate, qu'on peut trouver parfois sous l'appellation bisulfate. Une autre famille importante, ce sont tout ce qui est les carbonates. Donc on a l'anion carbonate CO3-, et l'hydrogénocarbonate, qu'on va obtenir en fait comme si on rajoutait un proton avec le carbonate pour obtenir l'hydrogénocarbonate. Donc avec le préfixe hydrogéno, ça sous-entend évidemment la présence d'un hydrogène dans l'anion. Et pour les carbonates et hydrogénocarbonates, c'est très important notamment en biochimie et biologie, puisque tout ce qui est la chimie du CO2 en solution, donc dans le sang ou dans les océans, va faire intervenir ces familles de carbonates et d'hydrogénocarbonates. En ce qui concerne les phosphates, donc le phosphate, l'anion phosphate ClO4-3-, également un anion très important, qu'on va trouver lorsqu'on va utiliser notamment l'acide phosphorique. Si on ajoute un proton ici, plus le phosphate, on retrouve l'hydrogénophosphate, HPO4-, auquel on peut également rajouter un proton pour obtenir le dihydrogénophosphate. Donc de manière intuitive, hydrogénophosphate, le phosphate plus un hydrogène, dihydrogénophosphate, le phosphate plus deux hydrogènes. Et enfin, on a également le chromate, CrO4-, donc dérivé du chrome, chromate. Et lorsqu'on a deux atomes de chrome ici dans l'anion Cr2O7-, on a le dichromate. Donc le chromate et le dichromate ne diffèrent pas seulement par le nombre de chromes, puisqu'on n'a pas du tout non plus le même nombre d'oxygène, mais on les a nommés par rapport à la présence d'un chrome ou de deux chromes dans l'anion, le chromate et le dichromate. Très important notamment dans les réactions d'oxydoréduction.
On a l'oxalate, l'anion oxalate, C2O4 de moins. L'anion peroxyde, O2 de moins, qu'on trouve aussi parfois sous l'appellation superoxyde. Et enfin, les deux derniers, qui sont des composés qui contiennent du soufre, le thiocyanate et le thiosulfate. Donc le thiocyanate, ici on retrouve Cn- l'anion cyanure, et puis ici un soufre, d'où l'appellation thio. Donc thiocyanate, on retrouve ici donc la racine de cyanure, Cn- et le thio du soufre, donc c'est facile de savoir de quel anion il s'agit. Et puis le thiosulfate, dans lequel on a deux atomes de soufre. Donc on retrouve ici le préfixe thio, qui signifie soufre, plus dans sulfate, on a également la dénomination du soufre. Donc on a deux atomes de soufre dans le thiosulfate. Donc voilà pour une liste non exhaustive, évidemment, des ions polyatomiques auxquels on va être confronté très souvent en cours de chimie, et qu'il est important de connaître, de bien connaître leur dénomination. Et il existe donc quelques astuces en analysant le nom de l'anion, pour savoir notamment en le comparant à d'autres, s'il contient plus d'oxygène, plus d'hydrogène, moins d'hydrogène, etc. Donc il faut bien les connaître, bien regarder la liste régulièrement pour les avoir bien en tête et pouvoir tout de suite savoir de quoi on parle lorsqu'on nous parle de chromate, de thiocyanate, de l'anion hypochlorite, etc. Donc c'est très important à bien avoir en tête tous ces ions polyatomiques auxquels on est très très souvent confronté au laboratoire et dans les exercices de chimie.